savez, hier, il y a un bar qui a ouvert. Bah, j'étais là-haut, puis voilà, un verre. Un verre en a traîné un autre. Et après, je me rappelle plus de qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que ça va être mon frère qui m'a ramené chez moi. Je confirme. Et bah, ce matin, en me réveillant, bah, j'avais très mal au bras. D'accord. Je vais vous demander de vous mettre sur le lit, là, sur votre gauche. Ouais. Ah ouais, y'a pas de soucis. Peut-être que je me déshabille avant, non ? Hop. Hop là. Impeccable. Alors, je suppose que c'est le bras gauche. C'est ça. Le bras droit, j'ai vu. Ouais, en fait, ouais, d'accord. Vous êtes sûr que vous avez mal qu'au bras, monsieur ? Ah, c'est le plus qui me fait mal, c'est le bras. Après, j'ai des petites courbatures, mais c'est supportable, vous voyez, mais bon. D'accord. Et si seulement je me rappelais comment je me suis fait ça, ça serait bien. Ok. Attends, moi, je peux te le dire, si tu veux. C'est passé quoi, alors ? T'as fait le fancho avec un petit gugus, il t'en a collé une dans la gueule, t'es tombé par terre, il a fallu que je finisse le boulot. C'est pour ça que vous avez mal partout, monsieur. Ah, possible, je me rappelle plus, alors. Je devais vraiment être sous comme je sais pas quoi, alors. Bah, je confirme. Prochaine fois, tu têteras le biberon. One eternity later. Salut mon frère. Salut. Ah, je regardais là, les pompiers ils bombardent comme des porcs. Bah, il y avait des urgences, il y avait un feu, je crois. Ouais, mais j'en ai rien à foutre, il y a des motards ici. Qu'ils fassent attention. Ah, ça va, c'est une belle journée là sur San Andreas. Ouais, nickel. Salut. Salut mon frère. Ah, ça va, sinon ça se passe, les gars. Nickel. Ça va. Vous voulez boire? Bon, bon, oui, ouais. Oh, allez. Hop là. Là, dans les frigos, je crois que j'ai pas grand chose. Fous-toi la gueule dehors, la vitre. C'est simple, j'ai du coca. Bon, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, oui. Merci beaucoup. Merci. Oh, de rien, les gars. Je pensais que j'avais plus, mais non. Va falloir faire une commande. Ah, on voulait te voir, parce que on devait te rendre une réponse aujourd'hui. Alors, dis-moi tout. Donc, bon, je te le cache pas, avant de te rendre la réponse, on voulait voir avec Luis ce qu'il en pensait. Luis, le Vagos. Yes. Ouais. Bon, pour lui, y a pas de problème, hein, vu que c'est toi, comme il a dit, il s'en fout. Après, il nous a dit de choisir entre lui et toi, donc, comme on lui a dit, votre méthode de vie nous correspond mieux que la leur. D'accord.
Donc, bah, si ton offre est toujours valable, on est ok pour rejoindre ton club. Eh ben avec grand plaisir les gars. Avec grand grand plaisir. Après, quand il a dit faire un choix, c'était plutôt énervé ou c'est vraiment t'avais le choix? Non, non, maintenant il nous a bien expliqué qu'avant tu faisais partie de son groupe, maintenant tu voles en gros de ses propres de tes propres ailes, mais tu restes quand même. Ouais. Voilà, c'est. On a un lien. C'est ce qu'il nous a expliqué. Ouais, c'est particulier, on va dire. En gros, il nous a dit bosser pour toi, c'est comme si on bossait pour lui, quoi. Ouais, pour l'instant, c'est un peu ça. Ah, pour l'instant. On verra par la suite. Par contre, après, comme il nous, ouais, c'est, il nous a dit si un jour je vous appelle, faut venir tout de suite. Ouais, on verra ça. On verra ça. Cela, il vous le dit à vous, mais il faudra passer par moi d'abord. Ah, normal. Ouais. Donc, on verra. Parce que si on fait quoi que ce soit, faut que ce soit toujours monnayé dans les règles de l'art. Donc, si ça me convient pas, bah, tant pis pour eux. Et s'ils sont pas contents, bah, on verra qui sera les derniers debout. La grande faucheuse ira leur rendre et voilà. Une petite visite. Donc il y avait ça, et puis bah, le problème du calibre, bon, c'est réglé. Ouais, ça marche, j'ai entendu ça. C'est réglé, tant mieux. Ouais, j'en avais parlé tout à l'heure, déjà. Ouais. Du coup, c'est vrai que j'étais en train d'essayer de chercher une solution. Hein. Si c'était que ça, je l'aurais payé, puis on serait allé retourner bosser. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Comme on t'a expliqué hier, hein, nous on est réglo, on faisait encore pas partie de ton club, ça. On a fait une connerie, on l'assume. Hein. Et encore, je considère pas vraiment que c'est une connerie, mais bon. Bah, disons que c'est une connerie qu'on recommencera pas, quoi. Ouais. Mais après, c'est une connerie qui coûte cher. Ouais, mais après, enfin, si on est un petit peu logique et cohérent, on peut avoir deux guns sur nous, normalement. Ah, normalement. Après trois. Bon. 3, je veux bien, mais 2, bon, c'est pas grave. Laissons tomber ça. C'est réglé, tant pourquoi mieux. De toute façon, les gars, vous n'inquiétez pas, on va se refaire du pognon facilement. En tout cas, comme je vous ai dit, bon, vous m'avez prouvé votre valeur. Moi, je vous accueille en tant que membre directement. Donc, si c'est toujours bon pour vous. Ouais, toujours bon. Moi, je vais être franc avec toi. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est mettre les choses au clair avec lui. Ça a été fait. Ça a été fait, bon, maintenant, on est libre. Bah écoutez, bienvenue les gars, bienvenue dans la famille. Merci. Allez, suivez-moi, faut qu'on aille dans le petit bureau. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y aura un de nos frères aussi qui risque d'arriver. Bien sûr. Après, je vais être honnête avec vous, hein. Il va partir avec vous, et puis ça va me prouver sa valeur aussi. C'est clair. Je vous fais confiance, moi, y'a pas de soucis. Hein. Bah, pour te donner un ordre d'idée au village, c'était le presse de notre club. D'accord. Ah bah oui. Oui, d'accord. Donc il sait de quoi on parle. Oh oui, t'inquiète. Ça sent la veste. Bah, à mon avis, on va aller la payer, la veste. Non, à mon avis, il va nous inscrire White Wall, Lost Top Alors, Prospect. Pour l'instant, c'est pas. Il faut que je refasse ça après, mais pour l'instant, je vous donne déjà le grade des Sons. Après, je règle le problème. Je vous ferai la veste comme il faut. D'accord. Du coup, c'est Sébastien. C'est ça. Vous avez été recruté dans le. Du coup, là, je peux pas le faire tout de suite. Il faut juste attendre un petit peu. T'inquiète, on est pas pressé. Vous serez membre, y a pas de problème. Bah, du coup, est-ce que vous voyez. Enfin. Est-ce que là, vous pouvez ouvrir le petit tiroir, là? Ah, on va te dire ça. Normalement, tu peux, je pense. Négatif. Attends, je vais regarder, moi. Je pense que je peux. Pas non. Non, moi non plus. Non, alors venez avec moi. Ça va être réglé. Si vous voyez pas ça, c'est qu'il y a un gros problème.
Après, faut peut-être attendre aussi la tempête. Ça peut être plein de problèmes. Ça, c'est possible, ça. Ouais. Bah, je pense qu'il faut se citer qu'au recours. Non, y a rien pour vous ici. Y a pas une clé. Alors, c'est des clés. C'est vide. Hein. Non, y a que dalle. Bah, écoute, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va aller dans les bras de Morphée 30 secondes. Ouais, peut-être que ça va marcher aussi. Vous mettez pas à l'intérieur, ouais. Hein, surveillez vos motos. Faut faire ça à l'extérieur. Ouais, surveillez vos motos. Pas tout de suite. A few moments later. Bah les gars, en attendant, si vous voulez, au pire, allez vous mettre la veste. Hein. Ouais, ça marche, on va aller la chercher. Ouais, bon, c'est fait, et puis on est tranquille. Ouais, y'a pas de soucis. Allez, faites attention sur la route. T'inquiète. T'as entendu? La prudence, c'est nous. Ouais. Ouais. Magasin de fringues, bah, le premier il est là. Bah, obligé de payer nos vestes, quoi. Putain. Ouais, bah, vous avez de la gueule maintenant. Ouais, ouais. Ça m'envoie là, ça. Ah, dis-moi, toi qui as été dans la boutique, est-ce que t'as pas vu la veste des prospects? Bah, ça doit être la nôtre. D'accord, ça marche. Tant pis. Bah, essaye de lire. Bah, il me semble que c'est prospect. Non, 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 c'est... California pour moi, comme moi. Ah, mais... Non, c'est pas grave. Les cuissons, c'est pas marqué prospect. Je vois pas, ta. T'as pas l'énervé. Bah, ils vont pas me faire chier, hein. Ouais, on dirait bien, ouais, bah, bon, pareil, je crois. Non, moi, c'est... Non. Non. Un peu con pour le président. Attends. Non, moi, je vois président, moi, j'ai l'impression, non. Pas moi, je veux pas moi. Bah, moi je vois ET à la fin donc prospect hein. Non, moi je vois président. Ouais, si je vois président, je vois président. Non, c'est président. On a tous président en fait. C'est, ouais, c'est la même veste pour tout le monde. Ok, laisse tomber. C'est dommage. Tu dis prospect aussi? Bah, il me semble. Et toi, qu'est-ce qu'il y a, toi, ça va? T'es où? Eh, putain de temps de merde. Bon. Il faudrait juste que je passe un coup de fil, on a peut-être une famille à voir. D'accord. Par contre, faudra qu'on te donne, on se passe les numéros de téléphone, toi. Pas de soucis, je te donne le mien juste après. Comment déjà son nom? Moi je vais marquer 13 et puis c'est bon. Ouais. Hop. Putain, mon téléphone va prendre l'eau. Juste attendre qu'il me réponde alors. Mon numéro, je crois que c'est... Attendez. 495-5433. Ok, ça marche. Hop, c'est rentré. Voilà. On va y passer les nôtres, putain. Bah, on va t'envoyer un message, comme ça t'auras les nôtres. Parfait. Faut que le vice-président aussi vous le donne. Bah, Blackhouse, moi je l'ai. Ah oui, c'est vrai, effectivement. J'avais oublié déjà, tu vois.
Voilà, moi je t'ai mis mon prénom comme ça, t'as mon numéro. Parfait. Parfait, j'attends juste le petit message là, ta famille et puis. T'as celui de Blackos, toi ? J'espère qu'ils sont là. Ah ouais, Blackos, ouais, c'est... tu me l'as donné, je crois. Ah, puis Blackos, tu me l'avais donné, je crois, frérot, hier. Bah, peut-être bien. Oh là là, ça va être compliqué là. Bon, on va pas rester sous la pluie. Ouais. Du coup, j'aimerais bien voir si tout fonctionne pour vous au niveau du bar. Si vous pouvez ouvrir les frigos et tout, ce serait intéressant. C'est mal barré parce que je vois pas les points. Ah tiens, mais il est dans mon cul le point. Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Est-ce que vous pouvez aller dans le vestiaire là? Là, ouais. Ah, parfait. Ouais. Donc voilà, ici, vous avez le vestiaire, etc., etc., etc. Toutes les tenues disponibles qu'on a dans le bar, ici. Une tenue placard, tenue vert, j'ai les barbales, d'accord. Ok. Donc du coup, ouais, vous avez un petit pantalon treillis, ici, avec la veste. Bon, après, vous pouvez mettre vos affaires habituelles, hein. Vous pouvez dormir ici si vous voulez. Après, je vous conseille de dormir à l'extérieur, c'est mieux. Venez. Hop là. Par. Alors ici, bah là vous avez le petit coffre. Là normalement aussi. Ouais, c'est bon. Ouais. Là, là. Donc ici vous avez tout ce qui est le dépôt d'armes et puis le dépôt d'objets. D'accord. Ça marche, donc là, je dépose tout ici. Vous regardez, il y aura à boire, à manger plus tard. C'est quoi que t'appelles objet ? Bah écoute, tu peux mettre, je sais pas, une lampe si tu veux. Tu peux mettre un ticket à gratter. Tu peux ce que tu veux. Ce qu'on veut, quoi. Ouais, d'accord. De l'argent. Tu peux mettre ce que tu veux. Ça marche. Après, dans mon bureau. De l'argent sale, tu peux le mettre. Tu avances. Après, y'a rien de spécial. Après, y'a rien de spécial, y'a rien de ouf. En tout cas, vous êtes chez vous ici. Maintenant. Ok, merci. Juste, normalement, peut-être qu'on aura deux prospects en plus. Et votre gars en plus, hein, normalement. Donc, votre ami. Ça va faire du monde, hein. On va voir, hein. Moi j'ai vu que il y avait quand même du monde ça, chez certaines familles, donc on va voir. On va voir. Après, voilà, moi j'ai deux prospects en vue. S'il y en a un sur deux qui est mauvais, le petit dégage, hein, donc ça fera dire moins de monde. Donc on verra, je vais voir ça. Déjà j'aimerais bien que le vice-président ramène son cul, il me fait chier. Du coup, attendez, j'ai reçu un message. On va avoir un ou deux. Non. Il me fait chier. Elle est perdue la fréquence de radio. Hop. Oh, hop, excuse-moi. Ah, ça c'est ça. T'as réveillé. Ouais, j'ai un peu glissé là, excuse-moi. T'as la droite. Non, mais moi, la technologie, ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Ça t'a remis ta mâchoire là, je pense. Donc, tu te remettes la tienne en place. Oh non, moi, je vais voir ça, moi. Alors, ta gueule. Elle empêche. Ah bah c'est réglé, ils sont repartis. Y'a que le problème des mécanos tout à l'heure. Ça, c'est réglé. Attends, c'est terminé. Il y a que le problème des mécanos de tout à l'heure. J'ai gagné un kit de réparation. Faut aller voir les jaunes. Oui. Moins que ce soit officialisé. Le problème du mécano tout à l'heure. Ouais, bah. J'ai gagné un kit de réparation. Hop. Ah, ça va. Ça va donner ça.